Alors juste si vous me le permettez Yael ben comme ça ça vous permet de boire un petit verre un petit, verre, un petit peu d'eau. Euh, je vais vous dire que le nouveau numéro de Science Ouest est sorti. Bonsoir à tous d'ailleurs et bonsoir aussi aux internautes qui nous, re, qui nous rejoignent maintenant sur notre chaîne YouTube. Vous dire que le nouveau numéro de Science Ouest, celui du mois de décembre est sorti et le dossier concerne les abysses, ces oasis oasis de vie. Un, ce sont des lieux presque aussi fascinants finalement que, que l'espace, je, je, je crois, les abysses. Euh, voilà, et c'est le numéro 394. Vous trouvez évidemment plein d'informations, et entre autres une qui a peut-être un rapport avec le, les conférences de ce soir. Euh, il y a un article qui il s'intitule Ils veulent lever les mystères de Vénus. À Nantes, des chercheurs vont concevoir l'une des expériences de la future sonde européenne en vision à destination de, de Vénus. Voilà. On parlera peut-être de Vénus ce soir, hein, ça dépendra. On ah oui, ça va dépendre. Oui, oui, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a déjà 100 spectateurs qui sont avec nous sur, sur notre chaîne YouTube. Je les salue et je les remercie aussi d'être euh, présents. Alors, la première visite de Yaël Nazé à l'espace des sciences de Rennes, euh, au Champ libre remonte à 2012. C'est qu'elle une... va vieillir, hein <laughs> Elle ne change pas en plus. Pour une conférence intitulée Les couleurs de l'univers, nous avons beaucoup aimé. Donc on n'a pas cessé de la réinviter. Les rendez-vous se sont succédés afin de découvrir les thèmes que Yael propose pour des conférences, souvent couplées d'ailleurs à la parution de livres, de livres pour le grand public destinée à tous. Alors il y a eu euh, l'astronomie au féminin, l'astronomie des anciens, euh, voyager dans l'espace, euh, art et astronomie céleste. Euh, vous l'aurez compris, à côté de son travail à l'Institut d'astrophysique et de géophysique de l'Université de Liège, Yael accorde une très grande importance au partage des, des connaissances et à cette vulgarisation des... Des, ben des connaissances euh, avec le plus grand nombre. Alors d'ailleurs, euh, vous avez reçu de nombreuses distinctions pour ce travail de vulgarisation dont le fameux prix Jean Perrin. Yael Nazé est maître de recherche FNRS. Ça correspond un petit peu au CNRS ici oui, en C'est plus ou moins pareil. Hein, c'est à peu près pareil. Astronome, elle est spécialiste des étoiles massives, ces étoiles qui ont une dizaine de fois la masse de notre propre euh, euh, étoile, le Soleil. Au minimum. Hein. Au Ça minimum. Ça peut monter. Hein. Nous, on aime bien quand elles sont plus grosses, genre 180 Soleil. Ah le oui. oh ouais, c'est plus sympa. C'est plus facile à voir, non bah, pas forcément, pas forcément, non. Ah, pas <rire> forcément. <rire> Notre dernier rendez-vous remonte à janvier 2019, et c'est avec un grand grand plaisir que nous allons découvrir l'astronomie de l'étrange. Le livre est sorti en février 2021 chez Belin, comme la plupart de, des autres livres d'ailleurs. Euh, et alors dans ce livre, euh, il y a qui est construit en, en, en trois parties. Euh, et qui, ça, ça ressemble beaucoup à, à yael Nazé, euh, qui a un, un chapitre qui s'intitule Mais qu'est-ce que c'est ce livre Alors, bon, vous lisez ça, comme ça, vous savez tout de suite ce à quoi vous allez vous attendre. Alors, vous commencerez par rencontrer des individus singuliers. Mm -hmm. Ensuite, vous partirez... Alors, je ne détaille pas trop parce qu'on va découvrir des choses tout à l'heure et vous allez voir comment elle, elle va vous les faire découvrir. On y reviendra peut-être pour ceux dont vous n'aurez pas eu le temps de parler. Ensuite, vous partirez à la rencontre de divers objets célestes, tant imaginaires que réels, ah, parce qu'il y a quand même des hallucinations, du mysticisme, des rumeurs. Enfin, il y a quand même plein de choses bizarres qui se passent. Et puis enfin, vous serez confronté à diverses idées célestes, pour le moins singulières. La Terre ou la Lune prendront ici des formes étonnantes, tandis que l'espace sera soumis à des interprétations diverses. Oh là là, ça va du militaire, euh, du numérologique, des, des, des interprétations hollywoodiennes même. Euh, voilà, tout un tout un programme. Astronomie de l'étrange. Alors moi, je me demandais. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aborder ce thème, Yaël Alors, j'avais envie de raconter des petites histoires, euh, des petites histoires un peu dans, dans tous les, qui, qui partaient dans, dans tous les sens, parce que c'est un livre qui peut se picorer, c'est beaucoup de, de, de choses pas très longues. Euh, et et l'idée était aussi de montrer que... Bah, pff, voilà, euh, les astronomes vous verrez ça se trompe parfois hein, et euh, ce qui est intéressant c'est pas tellement qu'ils se trompent ça finalement on s'y attend mais euh, surtout que comment est-ce qu'on peut montrer qu'on qu se trompe et donc euh, voilà c'était pour un peu raconter les choses avec un, un peu d'humour parce que c'est vrai que le langage est un petit peu différent des autres livres. Alors vous avez tenu <laughs> absolument, est-ce que ce soit un langage un peu familier, voilà. un peu comme vous le faites dans dans, dans les conférences d'ailleurs, voilà. que ce soit vraiment euh, vivant, recevable et, et vivant. Voilà, ouais, l'idée ici, c'est vraiment d'être de, de, au plus près, je vais dire, de, de tout le monde avec euh, des choses. Euh, Enfin, voilà, euh, Découvrir le, finalement l'astronomie par le petit bout de la lorgnette en n'ayant pas un langage trop compliqué euh, où on va perdre, euh, perdre les gens. Quoi. Voilà. Alors, euh, il ne faut pas croire que ce soit si facile à faire, euh, la vulgarisation <laughs> scientifique. Et moi, j'ai été absolument impressionnée par la bibliographie en fin de, de, à la fin du livre. Ça représente quand même une quinzaine de pages. Donc vous imaginez le travail de de, 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 de recherche, de lecture, de, 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 de qu'il a fallu euh, qu a fallu effectuer pour pour oui, réaliser par, ce oui parfois pour écrire deux pages il faut il faut plus d'un mois de travail mais mais quelque part l'important c'est que ça ne se voit pas à la fin Qu'on ouais. <laughs> donc voilà on ne sente pas l'effort voilà qu'on ne sente pas l'effort et qu'on se dise c'est si finalement ça, ça coule de source et j'espère que c'est le cas hmm. Alors Yael va vous proposer une manière particulière de participer à cette, cette conférence. Bien sûr, à la fin de la conférence, vous pourrez aussi poser vos questions ainsi que, ainsi que les internautes. Euh, mais pour le moment, ben, je la laisse vous faire découvrir cette astronomie de l'étrange. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. A tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc bonsoir, hein. et on va y aller. Donc, euh, bah oui, astronomie de l'étrange. Donc, je sais, ça fait un petit peu bizarre comme titre, euh, mais la conférence va être encore pire parce que ça va être encore plus bizarre que d'habitude. C'est-à-dire que cette fois-ci, la conférence, c'est vous qui allez la choisir. Euh, il n'y aura pas deux conférences les mêmes, et je vais donc vous proposer quand même un certain nombre de thèmes, mais on peut partir dans n'importe quelle direction. Le choix euh, vous appartient. Et donc voici la chose avec laquelle on va beaucoup travailler aujourd'hui. Vous avez donc tout un ensemble de possibilités. Nous avons, euh, ben, nous avons un petit astronaute qui pleure, euh, nous avons euh, le coyote sans bip bip pour une fois, euh, nous avons euh, un panneau Attention danger, on a un petit truc comique dans un coin, on a un drapeau, on a... Euh, de la musique, on a pff, une espèce de bruit, on a un jeu. Qu'est-ce que vous voulez Ah oui, ce pas moi qui choisis cette fois-ci, c'est vous. <laughs> le coyote Ah là, c'est unanime. Hein Je vois qu'il y en a un certain nombre qui ont, qui ont regardé les dessins animés quand ils étaient petits. Il n'y a pas que moi. <laughs> ok, Et le coyote, le coyote est avec son petit oups. C'est parce que de temps en temps, les astronomes se trompent. Et je vais vous raconter deux, trois petites histoires. Par exemple, il y en a une qui, qui démarre en France, et euh, c'était en 1962. J'ai des collègues qui observaient à Saint-Michel l'observatoire, à Saint l'observatoire de Haute-Provence. Et euh, c'était des, euh, des, vraiment des collègues, ils travaillaient dans le stellaire, donc ils observaient des étoiles. Et puis tout d'un coup, ils voient la signature, la signature de, de, particulière d'un élément particulier qui est le potassium, signature très forte, très brillante d'un coup comme ça. Alors on peut voir ce, des raies comme ça, donc, comme on les appelle, hein, ces signatures qui passent parfois en émission quand il y a une éruption sur l'étoile. Donc du coup, ils se disent, ben voilà, on a trouvé un nouveau type d'éruption. Des éruptions au potassium. Alors pourquoi au potassium Allez savoir Alors, il n'y a pas qu'une étoile. Ils en trouvent deux ou trois qui font ça. Ça n'arrive pas souvent. Et en plus, les étoiles qui ont ce... Ce potassium qui fait des trucs bizarres, ben, ce qui est marrant, c'est que c'est trois étoiles complètement différentes. Donc les astronomes, ils étaient un peu perdus, je vous avoue. Hein, ils se posaient vraiment beaucoup de questions. Ils disaient Mais qu'est-ce qui se passe dans ces étoiles Alors ils ont des collègues américains qui se disent Bon, ok, c'est très rare, c'est pas grave, on va observer une centaine d'étoiles. Si on en observe beaucoup, si c'est rare, ben, on verra quand même. Mais là, pas de bol. En Amérique, il y a rien. Alors les Américains préparent une publication et puis si vous lisez la publication, à un moment, on vous commence à vous parler d'expériences avec des allumettes. Dit, mais qu'est-ce que ça a à voir Oui, parce que en fait, ce qui se passait, c'est que en Haute-Provence, la façon dont ça fonctionnait à ce moment-là, c'est que vous aviez la lumière récoltée par le télescope qui euh, allait dans une cave. Dans la cave, on, on, on analysait la lumière, il y avait un analyseur pour pouvoir détecter ces signatures, et tout ça devait se faire dans le noir, évidemment, vous pensez bien, parce que sinon, euh, on allait voir la, lampe que, enfin, la lumière de la lampe que vous allumiez et pas, pas du tout la lumière de l'étoile. Et il y avait un gars qui passait la nuit à côté. De, de, de là où arrivait la lumière et du petit miroir pour être sûr que tout se passait bien et qu'il ne fallait pas de temps en temps tourner un petit peu dans un sens ou dans l'autre pour que la lumière arrive bien au bon endroit. Et ce type-là, bah, il fumait la pipe. Et le problème, c'est qu'au bout de toute une nuit d'observation, bah, la pipe, elle s'éteignait. Et donc de temps en temps, il craquait une allumette pour allumer sa pipe. Et c'est pour ça que les Américains ont fait des expériences avec les allumettes, avec des modèles américains, des modèles français, parce que ce n'est pas les mêmes allumettes, et ils ont pu montrer qu'en fait, c'était les allumettes. Alors, sinon, on parlait de Vénus. Et ben justement, Vénus a été un grand mystère pendant, pendant longtemps, et une des choses qui étaient bizarres, était bizarre, c'était de se dire bon, ok, la Terre a une Lune. Vénus a plus ou moins la même taille, mais elle n'a pas de lune. Est-ce qu'on a bien cherché Et il faut savoir que plusieurs observateurs, et pas n'importe qui, vous avez par exemple Jean-Dominique Cassini, c'est quand même un grand euh, astronome, et donc il y avait un certain nombre d'astronomes qui ont vu une lune. Une lune de Vénus. Et on s'est dit, mais c'est quand même bizarre, il y en a qui voient des lunes, mais il y en a qui n'en voient pas. Qu'est-ce qui se passe Alors il y en a un qui a proposé, oui, mais... Attention, Vénus c'est brillant. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous observez Vénus à travers une lunette ou un télescope, eh bien en fait l'image de Vénus se réfléchit sur votre cornet, elle est renvoyée vers le télescope, et là sur la lentille de l'oculaire, elle est re-réfléchie, elle revient vers vous. Donc vous avez Vénus en grand, et puis vous avez Vénus en petit. Et comment est-ce que vous savez que c'est un reflet ben, il suffit de tourner la tête, et, et tout le monde va tourner en même temps. Et effectivement, de temps en temps, c'était ça. Mais ça n'expliquait pas toutes les observations. En fait, il y en a d'autres où, tout simplement, il se fait qu'il y avait effectivement quelque chose. Mais ce n'était pas une lune de Vénus, c'était un astéroïde ou parfois une étoile qui n'avait pas été euh, mise dans les catalogues et qu'on ne connaissait pas vraiment. Alors, ça a pris des siècles. <laughs> en fait, il a fallu plus de 200 ans pour finir par comprendre toutes ces observations de lune de Vénus. Euh, pour finalement découvrir, il y a assez peu de temps, que Vénus avait effectivement une lune. Enfin, en tout cas, une presque lune. C'est-à-dire un objet qui suit Vénus dans sa rotation autour du Soleil, qui ne le quitte pas, mais qui ne tourne pas vraiment autour de Vénus. C'est un petit peu compliqué, c'est un quasi-satellite, comme on l'appelle, mais il a un nom peut-être pas très poétique, mais vous le voyez là. Donc finalement, Vénus a quand même bien un objet qui, qui l'accompagne dans son tour autour du Soleil. Alors toujours sur Vénus, vous connaissez peut-être Percival Lowell et les fameux canaux martiens, ben, il faut savoir que Percival Lowell a vu aussi des canaux sur Vénus. Alors euh, ces, ces canaux sur Vénus avaient quand même quelque chose de très particulier, c'est que ces canaux vénusiens, qui étaient un petit peu radio comme ça, ils étaient toujours les mêmes. Par rapport à la Terre, ce qui sous-entendait que Vénus présentait la même face à la Terre tout le temps. Alors bon, que la, que la lune présente la même face à la Terre, pourquoi pas Mais Vénus, c'était quand même bizarre. Alors à un moment, il a eu un doute. C'est la première fois et la seule et unique fois où Percival Lowell a eu un doute. Pendant quelques années, il s'est dit "Ouais, je suis pas sûr." Et puis finalement, non, 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 je suis sûr. Il y a des canaux sur Vénus. Et c'est seulement il y a quelques années, donc il a fallu aller à, à peu près un siècle pour comprendre ce qui s'était passé. Il y a, il y a certains de ces, des, des collègues de Percival Lowell qui ont fait des expériences avec des petites bouboules comme ça, et ils ont fait observer par euh, un certain nombre de gens, et puis il y, avait, il y en avait qui voyaient des canaux, il y en avait qui ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et puis finalement, on a fini par comprendre ce que Percival Lowell avait vu, parce qu'il a bien vu quelque chose, mais c'était son œil. En fait, vous, vous, si vous avez été chez l'oculiste, chez, chez l'ophtalmologiste, vous avez peut-être eu des fois où on vous a mis une lumière très forte pour pouvoir regarder votre fond de l'œil. Ben, en fait, quand vous avez une lumière comme Vénus qui est très forte, qui passe à travers la lunette, ben, en fait, vous transformez en fait, votre télescope quasiment en la même chose. Hein. Et de nouveau, ça se réfléchit hein, à l'intérieur et ça revient vers vous. Et donc, ce qu'il avait vu, c'était le fond de son œil. Et comme il avait euh, un problème d'hypertension, il avait des, des veines assez grosses au fond de sa rétine. Et donc, il était particulièrement bien placé pour voir des canaux sur Vénus. Voilà, voilà. On a fait le coyote. Alors. Alors. J'ai le drapeau. ah <laughs> Oui, mais bon, dites les gars, il va falloir choisir. Alors, euh, j'ai le panneau attention-danger. Qui veut le panneau Ouais Allez, bon, on va partir là-dessus. On a quand même pas mal de, 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 de mains qui se lèvent. Donc, allons-y pour attention-danger. Les dangers du métier. Et bon, le métier, forcément, ça s'appelle astronomie étrange, hein, cette conférence. Donc, le métier, c'est l'astronome. C'est clair que quand on vous parle de métiers très dangereux, vous pensez certainement à des trucs genre pompier, euh, des, des trucs dans la construction ou quoi. Je ne suis pas sûr que astronome ou astrophysicien soit la première chose qui vous vienne en tête. Hein L'astronomie, métier dangereux, peut-être pas quand même. Quoique. Alors, déjà, on pourrait se poser la question. Est-ce qu'on peut se prendre une météorite sur la tête en étant astronome hein Après tout, on observe souvent, on est dehors. Bon alors la météorite sur la tête, c'est plutôt un fantasme. Soyons clairs, on n'a pas vraiment vraiment euh, de, de preuve d'ailleurs qu'une météorite soit tombée sur la tête de qui que ce soit. Alors parfois la météorite est tombée à côté et puis vous avez eu les débris du mur, ça, ça arrive. Hein. Mais la météorite qui vous tombe pile dessus... Pas vraiment encore. Enfin, il y a des trucs un petit peu possibles, mais pas certains, certains. En tout cas, il n'y a pas d'astronomes qui ont eu des problèmes avec des météorites. Donc, à ce niveau-là, ça va. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer. Et par exemple, vous pouvez avoir affaire à ce qu'on pourrait appeler un, un lens snapping, plutôt qu'un kidnapping, parce que dans le kidnapping, bah, c'est donc, normalement, c'est un gamin qu'on qu enlève. Là, euh, vous avez en fait un, un directeur d'observatoire euh, qui était confronté au vol de ses lentilles. Il avait une magnifique lunette euh, et euh, un jour au matin, ben, il n'y avait plus de lentilles. C'était un peu embêtant, faut bien reconnaître. Il y a eu une demande de rançon. Si, 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 si il y a eu une demande de rançon. Alors, évidemment, le gars s'est bien rendu compte que s'il payait, tous les observatoires, évidemment, allaient être soumis au même chantage, et comme en général en recherche on n'a quand même pas des masses de sous, c'était pas une bonne idée. Donc il a rencontré euh, le, le lensnapper. Euh, pendant la nuit, euh, un rendez-vous secret, machin, tout ça, en lui expliquant qu'il n'avait pas de sous et que donc il ne pouvait pas payer la rançon. Euh, alors, c'était probablement quelqu'un lié à l'observatoire. Hein. On n'a jamais su exactement qui. Toujours est-il qu'on a fini par retrouver la lentille des mois après. Euh, bon, dans, une, dans la poubelle d'un hôtel, un peu griffée, mais on les a retrouvés. On les a repolis, tout ça. Elles étaient même meilleures qu'avant. Et donc, le truc s'est bien terminé. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, on peut être confronté à des bandits aussi quand on est euh, en astronomie. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui peut se passer dans les observatoires. Déjà, beaucoup d'observatoires sont en altitude. Et l'altitude, bah, ce n'est pas toujours génial génial. Vous avez des risques d'embolie. Euh, et donc euh, bah, si vous voulez monter au Monakea ou à Chachnantor pour Alma, euh, généralement on va vous faire monter par palier hein, et, et puis on va voir dès que vous passez à peu près 3000 mètres, on va vous voir un petit peu votre tête là si vous résistez et, et puis on va voir parce que s'il si faut vous descendre, il faut vous descendre très vite. Euh, donc l'altitude, il n'y a pas encore eu de, de mort ou de blessé mais c'est quelque chose auquel on fait vraiment attention. Et puis dans les observatoires isolés, comme ça, vous avez un certain nombre de bestioles. Alors par exemple, quand vous êtes à la Silla, hein, que vous voyez ici, euh, on avait utilisé pour amener euh, les, les, enfin, tout ce qu'il fallait, hein, les télescopes et tout ça, on a utilisé des ânes. Et puis les ânes sont restés là, donc vous pouvez vous, re vous rencontrer un âne. Alors vous allez dire, un âne, c'est plutôt sympathique. Sauf que vous, si vous êtes en pleine nuit, il fait complètement noir et vous vous retrouvez face à face avec un âne sans savoir évidemment que l'âne est arrivé, enfin vous voyez, quoi, hein, vous, vous baladez euh, pour aller d'un enfin, dôme à un autre, ça peut être pas super sympa. Alors encore moins sympa, c'est que si vous allez dans ces, ces, ces zones-là, vous pouvez tomber sur un scorpion ou une tarantule. Alors les tarantules ne sont, sont pas méchantes, mais par contre, elles font quand même un petit peu peur. Enfin, en tout cas, si vous êtes comme moi, vous aurez un petit peu peur. Euh, alors, vous aurez peut-être moins peur des vinchukas, mais vous devriez avoir plus peur. Les vinchukas, c'est le petit machin qui est en haut, là. C'est pas très très grand, mais il y a une partie de ces vinchukas qui... Euh une maladie, pour... elles, elles, elles n'ont rien, mais elles vous transmettent cette maladie, la maladie de Chagas. Et là, par contre, on a déjà eu des, des problèmes, donc euh, très souvent, les, euh, les installations sont euh, euh, avec, enfin, pulvérisées d'insecticides pour éviter euh, d'avoir des problèmes avec euh, ces petites bestioles. Bon, et puis, Chili, Hawaï, tremblement de terre. Pas toujours super sympa. Jusqu'ici, on n'a pas encore eu euh, de, de télescope qui roulait sur l'astronome, mais bon, hein, si vous avez un gros tremblement de terre, c'est toujours possible. Donc, c'est pas toujours super sympa non plus. Mais il y a pire. Il y a pire. On va arriver dans les trucs vraiment sérieux. Il y a les incendies. Alors les incendies, d'accord, au Chili, ça va, à Hawaï, ça va, mais si vous allez au mont Wilson, au mont Palomar ou euh, ici au mont Stromlo en Australie, vous risquez d'avoir des problèmes. Au mont Stromlo, ils ont eu deux incendies qui ont complètement ravagé l'observatoire. Et la dernière fois, en 2003, j'avais un collègue qui était un, un Allemand qui faisait sa thèse au Canada et qui était en Australie, enfin c'est une longue histoire, mais bon, le gars observait tranquillement et puis... Un jour, on a commencé à lui dire qu'il y avait un petit peu quand même de fumée. Ah oui, il y avait un incendie qui se déclarait. Mais bon, il était assez loin, ne s'inquiète pas. Bon, au bout d'un moment, ils n'ont plus su observer mais tellement il y avait de fumée. Mais ça a l'air encore, hein, on n'évacuait pas l'observatoire. Il travaillait toujours la nuit, même s'il ne savait plus observer, il continuait à, à garder le rythme. Et puis donc, un jour au matin, il va se coucher tranquillement. Puis à un moment, euh, pff, euh, il se réveille. Il se réveille et puis euh, il se dit, oh, pff, je suis quand même fort fatigué là, crevé, mais bon, pff, lueur un peu rougeâtre. Il se dit, oh, ben, flûte alors, euh, c'est déjà c'est déjà tombé de la nuit. Il va falloir que, que je me lève quoi. Et puis il va jusqu'à jusqu sa fenêtre, il ouvre le rideau et là il se retrouve face à rien, un rien orange. C'est à dire que dehors c'était orange, mais il voyait plus rien, il, il voyait pas le paysage ou quoi. Et, alors là, il s'est réveillé un peu plus vite. Hein. <laughs> euh, il commençait aussi à faire un peu chaud. Et il s'est en fait rendu compte que le fameux incendie, il était arrivé à l'observatoire. Alors ce qui s'était passé pendant qu'il dormait, c'est que le, le, le front de feu avançait tellement fort et tellement vite qu'on savait qu'il allait atteindre l'observatoire et donc à, à partir de, de, de midi une heure euh, les pompiers ont déboulé dans l'observatoire et ils ont commencé à évacuer tout le monde sauf que ils ont oublié mon collègue qui s'est retrouvé en plein milieu de l'incendie alors il, il, heureusement en arrivant en Australie il avait lu une, une petite brochure sur les incendies il avait trouvé ça très drôle parce que pour lui, les conseils n'avaient absolument aucun sens. Ce jour-là, il s'en est bien souvenu de tous les conseils. Hein. Et donc, il, il a pris de l'eau, alors du frigo, parce qu'évidemment, il n'y avait plus d'eau au robinet, mais il restait un petit peu d'eau qu'il avait mis au frigo. Il, il s'est aspergé, il s'est couché par terre et puis il a attendu. Parce que dans ces conditions-là, vous attendez que le front de feu passe. Alors, ce qui est très drôle, c'est que le front de feu passe, mais votre bâtiment brûle. D'accord. Et donc vous devez choisir votre bon moment pour sortir, pour pas être grillé. Euh, sauf que si vous restez, vous êtes grillé à l'intérieur. Donc c'est un choix entre le grillage intérieur et intérieur. Hein. Vous avez le choix entre le grill d'un côté ou de l'autre. Quand il a à un moment, il a vu que le, les flammes au-dessus commençaient à être un petit peu importantes. Il, il est sorti. Heureusement, le front de feu était passé. Et finalement, euh, ben les, les pompiers sont remontés. <laughs> et, ah tiens, euh, on vous avez oublié. Et puis, il ne faut pas oublier que quand vous vous observez, alors aujourd'hui, vous êtes dans une salle tranquille, climatisée, la salle de contrôle, parfait, vous avez votre petit café, votre petit thé, le petit jus d'orange, les petits biscuits, tout ce que vous voulez. Mais pendant très longtemps, quand vous observiez, ben vous étiez... Euh, dans la coupole <laughs> ouverte. Et donc en hiver, il ne faisait pas nécessairement très chaud. Ce qui fait que vous pouviez attraper un gros rhume, un très gros rhume. On en a certains qui sont morts suite à une pneumonie attrapée après avoir observé notamment justement James Keeler, qui a finalement été enterré euh, dans les, les caves de l'observatoire que vous voyez ici. Euh, son fils l'a d'ailleurs rejoint un petit peu après. Alors ce qui est, ce qui est un peu particulier, c'est que cette cave en, en question, on, on avait dit qu'on ne savait rien y mettre de précieux, et donc on a enterré les astronomes. Et je terminerai avec le télescope. Oui, parce que, bon, vous pensez comme danger à beaucoup de choses, mais vous pensez peu au télescope. Les télescopes tueurs, ça existe. Je vous jure. On connaît au moins un cas. Et ce cas-là, euh, c'est la victime, c'est Mark Aronson. Et euh, celui qui est coupable, c'est le maillal que vous voyez ici derrière moi. C'est un télescope qui se trouve à Kitt Peak, en Arizona. Et en fait, Mark Aronson bah, travaillait avec son, son étudiant euh, et donc il faisait tranquillement leurs observations. Et puis, il a voulu faire quelque chose qui est finalement assez habituel pour les astronomes dans un observatoire, c'est que vous sortez de temps en temps pour voir l'état du ciel, quoi. Donc le gars est sorti et l'idée était d'aller sur cette petite passerelle que vous voyez tout autour du télescope. Et, euh, et donc il, il, il s'apprête à sortir. Donc l'idée, c'est vous avez une petite, une petite porte, quoi. Hein, vous passez la porte, vous allez sur ce truc-là euh, et puis vous regardez le ciel, quoi. Sauf que, sauf que, il y a un dôme et ce dôme tourne. Il suit le télescope. Et le dôme du Mayal avait une particularité, c'est qu'il avait une échelle qui permettait en fait d'aller faire des réparations. Et cette échelle, évidemment, tournait avec le dôme. Et donc lui a ouvert la porte au moment où cette échelle qui dépassait arrivait. Et donc en gros, il s'est repris la porte sur la tête et il en est mort. Sans blague, hein, il a... Enfin, ça a été extrêmement violent. Euh, donc un astronome, ça peut être tué par son télescope. Et puis, et il puis, y a les collègues. Ah oui. Oui, ça ne se passe pas toujours super bien. Et donc, nous avons un cas de meurtre, cette fois-ci, pas par le télescope. Et euh, un, ça se passe en 2000, en Antarctique, avec Rodney Marks, que vous voyez ici. Et euh, ce, ce brave Rodney Marks, en fait, allait passer l'hiver en Antarctique. Euh, donc bon, vous êtes coincé pendant des mois euh, dans une. Bon, c'est pas petit petit, mais enfin c'est pas énorme la base euh, au, au Pôle Sud et donc euh, voilà, il devait régulièrement sortir et remettre en, en route évidemment son télescope pour voir si tout allait bien. Puis il revenait, enfin voilà, il passait comme ça six mois hein, sur, euh, en Antarctique tranquillement avec son télescope. Et puis un jour, il s'est pas senti très bien. Alors il a essayé de. De, de dormir un peu mais ça a été pire euh, et le, le, le médecin de la base pff, on, on a cru qu'il faisait une crise de folie ou quoi enfin il lui a donné des anxiolytiques alors que enfin bon il avait vraiment un problème et puis quelques heures après le gars était mort bon alors il y avait une trentaine de personnes sur la base vous avez un mort c'est pas super sympa hein alors première chose évidemment on va essayer de de, de le mettre ailleurs, vous n'allez pas le garder sur la base. Donc, euh, vous êtes en Antarctique, il fait, il fait quand même euh, assez froid dehors. Hein, donc, on a mis le corps dehors. Euh, alors, ils ont, ils ont fait une petite cérémonie quand même, mais bon, voilà, on ne savait rien faire avant le printemps. Pendant ce temps-là, on a tout simplement nettoyé son bureau, faire disparaître les preuves, tranquillement. Et c'est au printemps, quand les premiers euh, vols d'avion euh, ont recommencé, que euh, le corps a été envoyé en Nouvelle-Zélande, parce que c'est la Nouvelle-Zélande, en fait, qui avait le, la souveraineté, on va dire, sur la zone où est la, cette base américaine. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'en fait, le gars avait été empoisonné. Il avait été empoisonné au méthanol. Et on a très, très rapidement pu écarter le style empoisonnement accidentel ou suicide ou quoi. Donc il s'agit bien d'un meurtre. Sauf qu'entre-temps, les Américains avaient évidemment affrété un, un, euh, comment, un avion pour évacuer toute la base, tous les gens qui étaient sur la base, qui étaient pour la plupart Américains, alors que la victime était Australienne. Et les Américains ont toujours refusé de coopérer avec les enquêteurs néo-zélandais. Et donc le meurtre a été totalement... Impuni, on ne sait toujours pas qui a tué Rodney Mark cette nuit-là en Antarctique. Ah oui, j'ai pas dit que ça serait toujours drôle, hein, les gars. J'ai dit que ça serait bizarre, ok J'ai pas dit que ça serait drôle. Alors, qu'est-ce que vous voulez d'autre Pop-musique Alors, si on choisit pop-musique, vous allez devoir me faire un autre choix. Alors voilà, j'espère que vous les reconnaissez tous. Les plus jeunes d'entre vous, peut-être pas, mais les autres, oui. Donc alors, attendez, attendez. Tout en haut, là, nous avons Nous avons qui en haut, par là les À côté Ouais, John et Yoko. Ici, en bas, vous avez qui Et là C'est qui, ceux-là You two. Bon, très bien. Alors, qui vous voulez Alors, j'ai « doors » ou « you too » Qui vote « doors » OK. Qui vote you two « you too hein » C'est partagé. Bon, puisque je suis là et que moi, je peux choisir aussi, je vais voter les « doors » parce que c'est une chanson que j'adore. Euh, mais de toute façon, si vous voulez l'autre, vous pourrez continuer. Hein On peut revenir après. OK. Vous connaissez certainement cette fameuse chanson « The End ». Eh bien, parfois c'est la fin. Oui, je suis désolée, vous choisissez toujours les thèmes aussi déprimants, c'est pas de ma faute quoi. Vous avez qu'à prendre un truc comique hein, la prochaine fois. <laughs> enfin voilà, donc c'est la fin parfois, parce que les astronomes abandonnent parfois leur observatoire. Ils peuvent l'abandonner pour plusieurs raisons. Euh, on a souvent des, des observatoires qui ont été construits en ville au début par facilité et puis bah, avec la pollution lumineuse euh, on s'est rendu compte que ça devenait inutilisable euh, et puis aussi parce que bah, les appareils sont un peu dépassés et qu'il faut construire de nouveaux avec euh, au lieu de les rénover hein, on a souvent besoin de plus de place et donc on en fait des, des, des nouveaux donc vous avez ici quelques exemples d'observatoires qui ont été abandonnés celui qui s'appelle Warner et Swasey c'est un observatoire américain qui lui a souffert de la pollution lumineuse par contre celui-ci l'espagnol euh, bah, en fait il est dans une zone pas super accessible, mais en fait, il paraît qu'on a fait plus de photos de l'observatoire, parce qu'il est joli avec ses, petites, ses petits murs rouges, euh, que de photos qu'il a prises. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Mais moi, j'aime bien celui qui est tout en haut, là, le Bialislon euh, C'est un observatoire très particulier. En fait, il a été euh, imaginé dans les années 30 euh, par l'Université de Varsovie, si je ne me trompe. Euh, il voulait un, un observatoire très important dans les Carpates. Et donc, ils ont commencé à construire un observatoire, mais gigantesque, vraiment un truc très, très gros pour l'époque. Sauf qu'ils l'ont terminé en 1938. Ouais, c'était pas vraiment une super, un super moment pour commencer à observer. Surtout qu'ils avaient vraiment bien choisi leur endroit. Hein. Les premiers villages étaient à des kilomètres. Et rien que pour aller chercher de l'eau, il fallait déjà faire 4 kilomètres, rien que pour aller à la source la plus proche. Donc, c'était un truc. L'endroit était vraiment terriblement mal choisi, mais l'année a été encore pire. Pourquoi Parce que évidemment, très peu de temps après, il y a des troupes allemandes qui sont venues dire coucou. Et puis quand elles sont parties, il y a eu l'armée rouge qui a fait coucou. Et puis et puis et puis bon, enfin bref, ça a été un, tout un jeu. Conclusion, l'observatoire bah quasiment jamais servi parce que forcément euh, c'était la guerre et aujourd'hui, on commence tout doucement à le retaper mais plutôt comme refuge de montagne que comme observatoire. Donc que voulez-vous Voilà, c'est parfois des destins tragiques, y compris pour les observatoires. Mais, mais parfois c'est l'observatoire qui abandonne son astronome. Et je vais vous prendre le cas du télescope de Green Bank, euh, un télescope qui était un radiotélescope très très grand. Il pouvait bouger, d'accord. Donc vous avez un télescope qui est énorme et qui bouge ce qui n'est pas facile au niveau mécanique. Et il a été inauguré en 1962, il était là, normalement, durée de vie 5 à 10 ans. Sauf que, bon, comme on n'a jamais de sous, une fois que ça marche, on le garde. Et les années ont passé, les années ont passé. Et puis une nuit, ben, il y avait un, un technicien qui était là, tranquillement, en train de faire des observations, il a entendu un petit bruit. Vous voyez le genre de petit bruit genre et puis il a vu passer par le plafond une grosse poutrelle métallique. Le gars est sorti en courant. Il a pris sa voiture et il est parti. Et il a eu raison parce que le lendemain matin, quand on est revenu, voilà à quoi ça ressemblait. Le télescope de 100 mètres de diamètre s'était effondré complètement. C'est une Pièce mécanique qui avait fatigué tout simplement, et on a pu reconstruire avec les observations des nuits précédentes que, en fait, le, le, le télescope lui-même était en train de s'ouvrir petit à petit. Mais on, on, le, on le voyait, ça, ça faisait des mois en fait qu'il était en train de s'ouvrir, mais c'était tellement peu que personne ne l'a vu. Et c'est vraiment dans les dernières heures où ça a été la cata, et on s'est retrouvé avec des tonnes de métal par terre. Euh, il a fallu des mois pour que le truc se calme. Ah ben oui, parce que vous imaginez, ça tombe, et puis petit à petit, ça rebouge, ça rebouge, donc avant de l'évacuer, il fallait le laisser tranquille un petit peu. Et vous savez peut-être qu'il y a eu un autre cas, c'est le cas du télescope d'Arecibo, hein, inauguré à peu près en même temps, là aussi, plus ou moins, pour durer 5 à 10 ans, et qui, bah on l'a réutilisé, utilisé, réutilisé, et puis, et puis voilà. Euh, C'est ce qui arrive hein, quand on, quand finalement euh, bah, on, on le laisse trop longtemps. Je vais vous montrer rapidement euh, deux, deux petits films qui vous montrent. Je vais commencer par celui-ci. Euh, en fait, on avait des câbles qui avaient déjà, euh, qui avaient déjà cassé. Euh, alors vous voyez, il y a plusieurs câbles. Hein. Il y en avait un ici qui manque. Euh, et. Le, les, les câbles, il y avait des, un câble auxiliaire puis un câble principal qui soutenait la plateforme, donc on ne pouvait plus aller sur la plateforme. Et normalement, bon, ben, voilà, ils espéraient faire une rénovation quand euh, un, un matin, un matin de, de l'été passé, euh, les, les techniciens étaient arrivés euh, assez tôt pour pouvoir justement euh, vérifier un peu tout. Il y avait un drone qui volait et voilà ce que le drone a vu. Donc vous allez voir, petit à petit, vous avez des, des fibres de câbles qui partent. Quelques-unes, petit à petit, ça part, deuxième qui part, puis ça continue. Hein. Et évidemment, la... rien que la plateforme fait plusieurs tonnes, et donc tout s'est complètement effondré, emportant les, les, les tours. Voilà une autre vue d'une caméra fixe. Euh, où vous voyez vraiment la plateforme voilà, qui s'effondre et qui tombe sur le, le dish. Alors, vous avez un peu de. Ils ont eu un peu de chance, c'est que l'endroit le, où étaient euh, les gens, qui était la, la salle de contrôle, s'est passé juste à côté. Donc, il n'y a, a pas eu de mort, mais c'est vrai que ce n'est pas passé loin. Hein. Bon! après ces grands moments de déprime vous <laughs> voulez pas un petit truc rigolo parce que là euh... alors il y en a qui veulent jouer ah j'en ai qui veulent de rigolo qui veulent rigolo et qui veut jouer un peu moins quand même on va, on, on va, on va rigoler un peu alors l'idée c'est de vous parler des scientifiques. Alors les scientifiques, vous les voyez comme des gens très sérieux, qui racontent des choses sérieuses, qui font des choses sérieuses, et qui n'ont jamais d'humour, évidemment, c'est bien connu. Hein. Sauf que parfois, les scientifiques se lâchent, et curieusement, de temps en temps, ils se lâchent dans leurs articles. Alors, on va commencer par la structure d'un article scientifique. Un article scientifique commence par un titre. D'accord Le titre doit être un titre très savant qui explique de quoi va parler l'article. Alors, par exemple, vous en avez ici euh, un titre très clair hein, 10 égale 6 plus 4. On ne peut pas dire que ce n'est pas clair. Hein bon, alors derrière se cache une sombre histoire de dimensions multiples, d'accord Mais bon, au moins c'était clair. Et puis, bien sûr, le titre doit être très sérieux genre. La crêpe locale vint l'axe du mal. Parfois, ça peut être cinématographique. Si bah oui, les astronomes vont au cinéma aussi. Donc vous avez du genre autant on emporte le vent. Euh, alors je ne sais pas si vous connaissez ces temps de réflexion. Oui, sauf que là, euh, c'était un système binaire et, et ce n'était pas 7 ans, c'était 2,35 ans. Donc, euh, c'est transformé en 2,35 ans de réflexion. Puis, il y en a qui mélangent les films. Hein. Vous connaissez peut-être Matrix Reloaded. Donc, celui-là, c'était NGC 6388 Reloaded. Certains l'aiment chaud, mais pas trop. Et puis, bien sûr, il y a un certain nombre d'articles aussi avec des Lord of the Rings, hein, le Seigneur des Anneaux, euh, évidemment. Alors, après les titres, il y a les auteurs. Globalement, les gars qui ont fait l'étude, vous allez me dire, on ne peut pas rigoler avec les auteurs. Quoique. Un article célèbre, publié en 1er avril, s'appelle Le papier alphabétique, parce que les auteurs sont Alpheur, Beth et Gamov, sachant que Beth n'a rien écrit. Mais que Gamoff étant un petit rigolo et qu'il avait un étudiant qui s'appelait Alpha, il s'est dit, hi, il faut qu'on qu mette Bette parce que ça va faire Alpha, Beta, Gamma. Euh, et donc ils n'ont pas demandé son avis à Bette, ils l'ont rajouté. <laughs> Mais voilà, au moins c'était rigolo. Alors il y en a un autre, c'est un français. Il ne pouvait pas publier tout seul. En tout cas, son éditeur trouvait que c'était très bizarre de publier tout seul. Donc il a dit, bon ok, tu veux pas, je vais te rajouter un co-auteur. Et son co-auteur, c'est son hamster. Bah oui, écoutez. Euh, hein, bon. Et puis il y en a d'autres qui ont des noms prédestinés. Il y a un astronome qui s'appelle Ramon Planet. Il y a une Kimberly Star. Et un J. Sky. Je ne je connais pas le prénom, j'ai juste le, le nom. Donc voilà, ça arrive parfois. Alors après, donc, vous avez le titre, vous avez les auteurs. Et après, vous avez ce qu'on appelle un abstract, un résumé, qui vous donne un résumé de, de l'article. D'accord C'est important d'avoir un petit résumé de l'article. Alors le résumé ne doit pas être très long. Mais disons qu'il y en a qui font vraiment cours. Genre, probablement pas. Bon, il faut dire que le titre était une question, donc donner la réponse, ça se comprend. Hein. Alors bien sûr, après, vous avez l'article qui va parler d'un sujet, un sujet très précis, très clair, très sérieux. Le commerce interstellaire, par exemple. Mais attendez, c'est compliqué de faire des taxes si vous avez des, des temps de trajet entre planètes qui prennent, un, qui prennent plusieurs années. C'est pas évident, hein, je vous assure. Quelques T.V.A. Euh, voilà. Et puis, et, et puis évidemment, vous pouvez toujours dans le domaine économique vous poser la question si vous perdez des grosses armes et qu'en plus votre dirigeant meurt. Comment vous faites subsister votre empire bah oui, c'est quand même une question économique assez importante. Dans le même genre, vous pouvez aussi essayer d'étudier le paradoxe des jumeaux, mais pas n'importe quel jumeau, les jumeaux Skywalker, parce que si vous vous souvenez, ils ne vont pas exactement au même endroit. Et donc, théoriquement, ils ne devraient pas avoir le même âge. Réfléchissez-y la prochaine fois que vous regardez Star Wars. Hein alors vous en avez aussi un certain nombre qui se sont posé la question de comment dépasser la vitesse de la lumière hein, dans des articles très sérieux. Hein, on ne parle pas euh, de, de Star Trek ou quoi, hein, non vraiment. Euh, comment faire Ou comment faire pour marcher sur l'eau Il suffit de changer la gravité. Donc sur quelle planète est-ce qu'on pourrait marcher sur l'eau en, enfin, à, à un homme quoi. Hein, donc vous voyez, euh, je veux dire pas, pas un extraterrestre. Comment marcher sur l'eau Intéressant en cas où vous voulez évangéliser. une... Ça peut toujours servir. Hein Et puis, bien sûr, vous avez aussi tout un ensemble d'articles scientifiques qui par vous, vous parlent de macho, du faux, de frog, euh, d'un peu de tout comme ça. Ça peut paraître bizarre, mais je vous jure que ce sont des, des, des choses tout à fait sérieuses qui se cachent derrière. Alors, après, euh, évidemment, l'article, le cœur de l'article, il va vous expliquer. Vous expliquer ce qu'il fait. Donc, bon, vous avez une description du sujet. Vous avez évidemment euh, les méthodes employées. Est-ce que vous avez fait des observations, des simulations, des choses comme ça Et puis les résultats. Les résultats que vous avez obtenus. C'est très important quand même de présenter vos résultats. Alors, ça peut être plus ou moins surprenant. Par exemple, quand vous avez des étoiles binaires, des couples d'étoiles, euh, eh bien, il y a un article très sérieux qui vous explique que les composantes les plus brillantes étaient systématiquement plus lumineuses que les moins brillantes. Très intéressant résultat, c'est clair. Alors là, c'est typiquement de, du jargon astronomique. Euh, c'est une étoile qui a été observée en bleu, en vert, en rouge et en infrarouge, et elle est rouge dans toutes les couleurs. Et je ne rigole pas, ce sont de véritables extraits d'articles scientifiques. Hein. J'ai juste traduit en français. Alors vous avez aussi une question de, du goût des galaxies. C'est chocolaté plutôt que vanillé. Je vais pas me plaindre, hein, moi étant belge, je, je préfère la version chocolatée. Et bien sûr, au cours de ces articles, vous allez devoir expliquer si vous rencontrez des problèmes. Ben oui, ça arrive que vous rencontriez des problèmes, des trucs qui ne fonctionnent pas, un instrument qui, qui rate, un problème d'observation. Genre, je ne peux pas observer parce qu'il y a un arbre. Ou alors, et alors celle-là, je vais vous la lire parce que franchement, je l'adore. Aucune donnée n'a pu être prise à la station à cause de la présence d'un serpent entre les lignes à haute tension qui alimentent la station. C'est un radio-observatoire. Même si ce serpent ou plutôt un morceau d'un mètre de ses restes, a été pris en train de causer un arc. Nous ne le considérons pas comme responsable de la perte de données. Nous blâmons plutôt l'incompétence d'une buse à queue rousse qui avait apparemment construit un nid défectueux tombé du sommet de la tour de transmission, jetant au sol les petits et toutes les réserves de nourriture, un rat néotoma, un rat kangourou et plusieurs septants, serpents, pardon, à l'exception de celui mentionné plus haut qui, ayant une, une densité légèrement plus élevée, est tombé ailleurs, évidemment, aucune perte de données comparable ne se produisit sur les autres antennes. Ouais, hein, vous voyez, l'astronomie, hein, parfois c'est compliqué. Hein. Et bien sûr, quand vous expliquez les choses, vous devez évidemment citer les travaux précédents. D'accord Vous devez être extrêmement précis dans vos citations. Par exemple, vous connaissez Conan Doyle avec la fameuse maxime de Holmes. La maxime de Holmes, c'est, vous savez, quand, quand vous avez éliminé hein, l'impossible, machin, tout ça, ben voilà. On peut vous le citer. Sinon, il y en a qui préfèrent Shakespeare. Ou pourquoi pas Clarke. Vous connaissez euh, 2000 ans au 17 espace Ah ben les astronomes, ils aiment bien. Hein <laughs> euh, sinon, euh, on aime bien aussi Le Seigneur des Anneaux. Et donc, on peut s'amuser à, à tourner euh, certaines, euh, certaines choses, non, non, notamment hein, le fameux euh, Les Anneaux, euh, euh, le, la litanie euh, sur les, les anneaux. On peut simplement un petit peu modifier euh, et jouer un petit peu avec ça. Et puis, quand vous arrivez à la fin, vous avez expliqué tous vos résultats, tous vos problèmes, tout le bazar. Vous terminez généralement avec un résumé des perspectives. Alors, les perspectives peuvent être très larges. Par exemple, euh, bah, ça serait bien d'observer le même objet depuis plusieurs directions, sauf que il faudrait des communications extraterrestres. Et ça, on ne les a pas. Ou alors, il faudrait aller voyager, et on n'a pas eu les fonds pour le faire. Euh, ceci dit, si vous trouvez des exoplanètes et que vous voulez aller voir sur place, il peut y avoir des faux positifs. Vérifiez avant, hein, pour bien confirmer votre réservation et être sûr qu'il y a bien quelqu'un qui vous attend par là. Et quand vous avez fini tout ça, vous avez bien sûr les remerciements. Enfin, remerciements, ça peut être plus ou moins sympa. J'aime bien la dernière, hein, le, le gars qui vous, qui vous laisse, conclusion, elle est laissée au, au lecteur, et puis les, les, les remerciements, c'est j'ai écrit cet article pour de l'argent. Euh, il s'agissait de sa, l'argent la, de sa bourse en fait. Et le deuxième, en fait, c'est Yann Howard qui, euh, qui remercie. Il est, il, est, il est de bon ton de remercier sa bourse. Et donc, généralement, vous êtes fellow de quelque chose. Moi, j'étais FNRS, hein, fellow. Euh, et, et lui, évidemment, il a, il, a, il, il a tourné ça en dérision et il a, il a utilisé le jolly good fellow. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, c'est extrait d'une chanson. En français, ça donne Mais c'est un bon camarade, mais c'est un beau bon camarade. Enfin, voilà, donc vous voyez, il y a moyen de, de, de bien s'amuser à divers endroits. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant On joue On joue Ça vous va Allez, on va jouer alors. On va jouer. Donc je vous demande quel est le point commun entre tout ce qui se trouve derrière. Alors, une proposition Non, ce n'est pas la gravité. Non, ce n'est pas l'orientation non plus. Non plus, ce n'est pas la représentation. Le point commun entre tous ces objets, c'est le bousier. Le bousier est un champion céleste. Si. Oui, je sais, ça fait bizarre, dit comme ça, mais c'est un champion céleste, je vous l'assure. En fait, c'est un champion de l'orientation céleste. Parce qu'il faut savoir que les animaux utilisent énormément de choses différentes pour s'orienter. Et ils peuvent utiliser bah, le, le paysage, ils peuvent utiliser le champ magnétique, ils peuvent utiliser des odeurs ou des goûts selon qu'ils sont dans l'air ou dans l'eau, mais ils peuvent également utiliser le ciel, et en particulier plusieurs choses dans le ciel. On va commencer évidemment avec la boussole solaire, utiliser le Soleil pour s'orienter. Pour des trajets plus ou moins longs, vous avez énormément, énormément d'animaux qui utilisent le soleil pour s'orienter. Je vous en ai mis quelques uns ici, en général les abeilles, vous en avez peut-être entendu parler, mais vous voyez qu'il y en a énormément d'autres. Euh, et toute la question, c'est comment est-ce qu'on a fait pour le prouver Parce que ce n'est pas simple, évidemment. Vous imaginez, enfin, comment savoir que quelqu'un s'oriente avec le soleil eh bien, En général, ce qu'on fait, c'est qu'on va, va prendre ces animaux, on va les mettre dans des, des, des espèces de zones un peu, un peu fermées, où généralement on leur cache le vrai soleil, on leur met le miro un miroir, et le miroir permet de changer le, so le soleil de place, et puis on regarde comment il s'oriente en fonction euh, de, de la nouvelle lumière qui n'est pas dans la bonne direction, hein, mais qui représente le soleil. Alors, il euh, y a quand même une chose à laquelle il faut faire attention avec cette boussole solaire. C'est que si vous avez une boussole normale, elle vous indique le nord, elle vous indique le nord, ça change pas. Okay Mais avec le soleil, le soleil, dernière nouvelle, il bouge dans le ciel. Et donc, par exemple, imaginez un oiseau qui veut aller vers le sud. Alors, au matin, il va falloir qu'il garde le soleil à sa gauche. Par contre, s'il part l'après-midi, il faut qu'il ait le soleil à sa droite. Okay donc, il faut qu'il ait une certaine compensation. En fonction de l'heure de la journée à laquelle il part. C'est pas une boussole simple, la boussole solaire. Sauf si vous l'utilisez sur des temps très courts, comme les abeilles par exemple, euh, vous allez devoir compenser. Alors comment est-ce qu'on peut prouver qu'il compense Alors ça c'est quelque chose d'assez amusant, c'est que vous capturez l'oiseau et vous le mettez dans une pièce où vous changez petit à petit les heures d'ensoleillement. Donc vous décalez en fait progressivement. Et donc il va se décaler sa boussole. Et qu'est-ce que vous allez faire Vous le lancez l'après-midi, mais en ayant décalé, en lui faisant croire qu'il est au matin. Et donc évidemment, il va partir dans la mauvaise direction. Et donc on peut faire comme ça tout un ensemble d'expériences pour montrer que les animaux vont effectivement avoir une boussole solaire, mais une boussole solaire compensée, c'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte de quel est le trajet du Soleil pendant la journée. Mieux que ça, le trajet du Soleil, euh, si vous regardez, de, normalement, évidemment, le long de l'équateur céleste, il va être régulier, mais si vous regardez ici sur Terre, ben, hey, le nombre de degrés qu'il va parcourir n'est pas nécessairement le même. Et si vous allez près, des, euh, près de l'équateur, les différences de, de trajet parcouru euh, vont être assez importantes. Et on a fait des expériences en Nouvelle-Zélande avec des, des pigeons voyageurs, et une, les, les pigeons voyageurs ne vont pas euh, avoir une boussole qui est de 15 degrés par heure, non, 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 non. Euh, ils vont véritablement savoir qu'au matin, ça va pas bouger beaucoup, puis aux alentours de midi, ça va bouger beaucoup. Là aussi, on a simplement euh, fait des expériences, on leur a fait croire qu'il était à midi alors qu'on était au matin, ou l'inverse, et on montre bien qu'ils ont une boussole euh, solaire qui est compensée, mais compensée de manière très fine en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Reste à savoir où est cette boussole et voilà un des animaux qui utilise pour ses migrations, c'est le papillon monarque. Je vous laisse deviner où est sa boussole solaire. Elle se trouve dans les antennes. C'est au bout des antennes, si vous coupez les antennes, il est perdu. La boussole solaire se trouve dans ses antennes. Alors avec le Soleil, vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez utiliser la polarisation du ciel, vous pouvez utiliser le fait que, évidemment, du coup, vous, avez, vous êtes plus bleu à l'opposé du Soleil hein, que dans la direction du Soleil. Vous pouvez utiliser le gradient de luminosité, c'est plus brillant dans la direction du Soleil qu'à l'opposé. Tout ça aussi, on a pu le montrer chez divers animaux. Mais il n'y a pas que le Soleil, il y a la Lune aussi. Et vous avez, euh, comme pour le Soleil, on peut faire le même genre d'expérience, et montrer que des petits animaux, comme ici, la puce de mer, eh bien, la puce de mer possède une boussole lunaire et c'est même pire que ça. La puce de mer, elle possède une boussole solaire et une boussole lunaire et les deux sont indépendantes. Ah oui, parce que la Lune, c'est pas compensé comme comme le Soleil, c'est pas le même trajet, ça change, ça change en plus chaque jour. Donc, la compensation est différente. Eh bien, la puce de mer possède véritablement deux boussoles et on peut, en décalant l'un et pas l'autre, montrer qu'effectivement, les deux sont deux systèmes complètement indépendants dans une bestiole qui est absolument minuscule. Existe-t-il des boussoles stellaires Oui. Les oiseaux migrateurs utilisent beaucoup une boussole stellaire, surtout lors de leur première migration. Après, ils utilisent beaucoup le champ magnétique, mais surtout la première, euh, la première migration, ils vont utiliser les étoiles. Et là, on a, on a pris des oiseaux, on les a mis dans les planétariums. Et qu'est-ce qu'on a fait ben, Par exemple, on n'a pas bougé le ciel. On n'a pas fait de rotation, on l'a laissé comme ça. Il y en a d'autres où on a fait tourner le ciel, mais pas autour de l'étoile polaire. On l'a fait tourner autour de Bethelgeuse, par exemple. Et puis, on a regardé ce que faisaient euh, ces animaux. Et on a pu montrer qu'en fait, ce qui repère, c'est toute la zone autour de l'étoile polaire, qui tourne autour de l'étoile polaire. Et ils, ils partent, en fait, dans l'hémisphère nord, hein, ils partent en ayant euh, l'étoile polaire dans le dos, finalement, et ils partent à l'opposé. Ce n'est pas tellement une constellation en particulier, on peut retirer par exemple la Grand Ours, ça ne va pas poser problème, mais c'est toute la zone qui est importante, une zone à peu près de 30 degrés autour euh, de, de la polaire. Et le bousier? Ben oui, parce que là, je vous parle d'un peu tout, mais je ne vous ai pas parlé du bousier. Mais je vous ai dit, le bouger, bousier, c'est le champion. Le bousier, il possède une boussole solaire, une boussole lunaire et une boussole stellaire. Avec deux particularités. Il peut reconnaître la polarisation du ciel, pas seulement due à la lumière du soleil, mais aussi grâce à la lumière de la lune. C'est le seul animal pour lequel on a pu prouver cela. Et d'autre part, quand on parle de boussole stellaire, pour lui, c'est en fait... Pas la rotation du ciel, mais la voie lactée, en fait, qu'il repère. Et particulièrement, en fait, la symétrie de la voie lactée. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Parce que, bon, finalement, le bousier ne fait pas de grande migration. Mais le bousier, il a quelque chose de très important à faire s'occuper de la bouse. Ah, ben oui, parce que quand il y a une belle bouse fraîche, tous les bousiers du coin débarquent. Et donc le petit bousier, il arrive, il fait une petite bouboule, et puis qu'est-ce qu'il doit faire Partir le plus vite possible, sinon il y a les autres qui vont lui piquer. Et le trajet le plus court, c'est quoi La ligne droite. Et comment vous maintenez une ligne droite alors que vous êtes en train de reculer avec vos papates arrière votre, votre boule de bouse Il vous faut un repère, il vous faut une boussole. Eh bien, c'est pour ça, en fait, qu'il possède... Des boussoles célestes. C'est vraiment pour avoir les trajets le plus droit possible pour pouvoir pas quitter la zone de guerre hein, et récupérer sa bouse pour lui tout seul et pour ses euh, évidemment euh, sa progéniture. Alors euh, ce bousier en fait, avant de partir, il fait une chose très importante. Il monte sur sa petite bouboule de bouse et il fait ce qu'on appelle la danse du bousier. C'est-à-dire qu'en fait il tourne et ce qu'il fait, c'est qu'il prend une, une espèce de photo du ciel. De, de tout de la polarisation ce qu'il y a les étoiles la lune tout ça et à partir de là il descend et il va tout droit vous pouvez essayer de le reprendre et de le mettre ailleurs il va repartir tout droit c'est un, un, un animal très très particulier tout petit et qui a vraiment une, une capacité extraordinaire à s'orienter avec le ciel je ne suis pas sûr que mes étudiants feraient mieux donc... Ok, alors si on a encore un petit peu de temps, on peut encore en faire. Le drapeau Drapeau, tout le monde est d'accord Allez, on va aller sur le drapeau. Ah, l'espace. L'espace, cet endroit merveilleux, pacifique, où tout le monde est ami. Tout le monde coopère et tout va bien. Si je vous jure, j'ai vraiment des collègues qui le croient. Et d'ailleurs, ils vont vous sortir le traité de l'espace en vous disant que voilà, dans le traité de l'espace, que pratiquement tout le monde a signé, tous les États partis au traité utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Bon, la réalité est un tout petit rien indifférente. Il faut savoir que euh, même avant qu'on aille dans l'espace, c'était déjà un terrain de jeu militaire. Et que ça a continué, évidemment. Alors où en est-on à ce niveau-là ben, Quand vous parlez de guerre spatiale, ben, pff, la guerre spatiale, les gars, elle y est déjà. Bah ben, oui. Alors euh, depuis l'espace, qu'est-ce qu'on peut faire Alors une chose extrêmement intéressante, évidemment, c'est d'aller observer le voisin. Bah ben, oui, parce que quand vous mettez un satellite, il passe au-dessus de tout le monde. Bon, alors évidemment, tout, du coup, tout le monde peut voir le satellite. Ça, c'est embêtant. Mais d'un autre côté, vous, vous pouvez regarder un peu tout le monde, aller espionner, voir si vous avez, genre, des troupes qui se mettent pas loin d'une frontière. Hein. Ça peut toujours être utile. Sauf que si vous, ce sont vos troupes qui sont au sol, vous n'avez pas envie qu'on vous regarde. Moi, ma nouvelle base secrète, euh, mes nouveaux chars tout secrets, je ne veux pas qu'on les voit. Qu'est-ce qu'on peut faire bah, c'est facile, il suffit d'aveugler les caméras. Un bon petit coup de rayon laser. Pouf Vous pouvez aveugler temporairement ou pas, ou pas, hein, ça dépend. Euh, et vous inquiétez pas, ce n'est pas juste de la science-fiction, on, on l'a prouvé. Hein. Il y a plusieurs pays qui ont prouvé que ça marchait. Euh, de manière plus ou moins officielle. En tout cas, il y en a quelques-uns où on le sait. Alors ensuite, l'espace, ça va être aussi extrêmement intéressant d'avoir des, des satellites de télécommunication, parce que comme ça, vous pouvez communiquer avec vos troupes où qu'elles soient sur Terre. De manière cryptée, c'est quand même mieux. Euh, et puis, vous avez des systèmes de navigation. N'oublions pas que le GPS, au départ, c'est un système militaire. Euh, ces systèmes de navigation sont extrêmement intéressants parce qu'ils vous permettent de vous orienter. Alors, c'est pas tellement euh, tourner à gauche dans 100 mètres en plein milieu du désert, mais euh, l'intérêt, c'est que si vous avez des drones, vous leur dites où ils doivent aller, et ils y vont tout seuls, OK c'est pratique. Ouais, c'est même tellement pratique que, bon, on aimerait bien quand même que, euh, ne pas recevoir le drone, <laughs> si vous voyez ce que je veux dire. Vous qui êtes au sol, vous n'avez peut-être pas envie hein, que le copain là, euh, qui est à côté euh, commence à communiquer avec ses troupes ou qu'il commence à euh, diriger quoi que ce soit vers vous. Et donc, vous allez pouvoir faire deux, trois petites choses intéressantes. Genre pour le signaux GPS, euh, vous le récoltez le signal et vous le renvoyez, mais avec euh, un son beaucoup plus fort, hein, donc vous augmentez le volume pour être sûr que c'est celui-là qu'on entend, mais avec un délai. Et souvenez-vous, les GPS, la façon dont ça fonctionne, c'est une question de temps. Donc si vous le recevez un, si un signal un petit peu plus tard, vous allez croire que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous croyez que vous êtes là alors que vous êtes là. Enfin, à quelques kilomètres de distance. D'accord on change. Ou alors, tout simplement, vous envoyez des signaux du bruit, hein, mais très forts. Et conclusion, bah, c'est un brouillage euh, complet et qui vous permet, euh, comme ça, euh, de, de cacher un certain nombre de, de signaux. Alors bon, tant qu'à faire, on peut aller plus loin. Vous pouvez mener des attaques, euh, des attaques informatiques sur les systèmes au sol qui contrôlent les satellites ou sur les satellites eux-mêmes. Je peux vous rassurer, on l'a déjà essayé. Euh, alors, on a, pour les satellites, enfin les, les installations au sol, on a eu le cas de Landsat, euh, qui plusieurs fois, on a pris le contrôle de la station au sol. Le NOAA a eu pareil, et là, pendant plusieurs jours, on n'a pas su transmettre les bulletins météo côté américain, ce qui est quand même embêtant parce que si vous avez une attaque en plein milieu, la météo, c'est quand même important de la voir. Euh, et le satellite Terra, là, c'est le satellite lui-même qui a été complètement euh, hacké. Et donc, on aurait pu lui faire faire ce qu'on voulait. On ne lui a rien fait faire. Mais on aurait pu, parce qu'on contrôlait tout. Les, les, C'était un satellite américain. Les Américains n'avaient plus du tout le contrôle de leur satellite pendant, pendant quand même pas mal de temps. Donc, on sait faire ce genre de choses. Mais bon, on peut aussi aller voir sur place. Officiellement, dans... C est, c est, ce sont des programmes extrêmement importants qui vont vous permettre de recycler les satellites. Vous allez, vous leur remettez euh, du carburant, vous remplacez des composants, ou vous allez chercher un petit débris spatial. Sauf qu'évidemment, la technique pour euh, récupérer le débris spatial est la même que pour aller embêter un voisin, vous voyez, vous leur piquez leur satellite espion et vous le renvoyez, vous le détruisez ou quoi. Enfin, voilà, il y a, y a moyen de faire pas mal de choses hein, avec la technique du rendez-vous. Et donc, elle a été évidemment maîtrisée par pas mal de pays, et ça peut poser un certain nombre de problèmes. Vous avez un satellite russe, Olymka Louche, qui se trouve dans l'orbite géostationnaire et qui a comme ça été se balader, était voir un petit peu des satellites privés, des satellites espions, au point d'ailleurs que la ministre des Armées, c'était Florence Parly à l'époque, en 2019, a protesté officiellement à la rue. Contre la Russie, pour cette, on va dire, ce petit rendez-vous inamical. Hein Donc voilà, ce genre de choses aussi arrive assez régulièrement. Mais bon, c'est vrai qu'après tout, le mieux c'est quand même un bon gros boom, une petite destruction, petite explosion nucléaire. C'est bien les explosions nucléaires. Alors dans les années 60, évidemment, vous pensez bien, on s'est dit, allez, on va essayer les explosions nucléaires dans l'espace. Ah oui, si vous ne le saviez pas, eh ben je vous le dis, on a testé les explosions nucléaires dans l'espace. Je vous rassure, d'ailleurs, on a testé côté américain et on a testé aussi côté soviétique, il hein, n'y a pas de jaloux. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit problème. Quand vous faites une explosion nucléaire, alors certes, ça détruit le satellite qui n'est pas loin. Pas de problème. Sauf que, évidemment, pour vérifier que ça marchait, ils avaient aussi d'autres satellites autour, beaucoup plus loin, hein, qui regardaient. Et tous les satellites se sont arrêtés de fonctionner en même temps. Ah, ben oui, parce que quand vous avez une explosion nucléaire, vous avez aussi une impulsion électromagnétique, et l'impulsion électromagnétique, elle grille tout. Donc tous les satellites qui, étaient, qui, qui ont vu l'explosion, qui étaient dans, dans la zone d'où on pouvait voir l'explosion, tous. Les satellites amis, les satellites ennemis, les satellites qui avaient rien à voir, switch, tous morts. Vous allez me dire c'est pas grave, il y a les autres. Oui, sauf que l'explosion nucléaire a créé une ceinture de radiation supplémentaire pendant quelque temps, et que les autres satellites sont passés dans, les satellites, dans les, ces ceintures de radiation. Et vous savez l'électronique c'est pas des masses, des petits électrons qui passent n'importe comment. Et donc, on a un certain nombre d'autres satellites qui sont morts d'être passés dans les ceintures de radiation. Et c'est pour ça que dans le traité de l'espace, il y a un seul type d'arme qu'on a éliminé, c'est celle-là. Parce qu'en fait, ils avaient essayé. <laughs> ben oui, ils avaient essayé, ils se sont rendus compte, non, 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 non <laughs> mauvaise idée, les gars. Donc, ils se sont dit, non, celle-là, on peut les supprimer. Mais les autres, les autres, on n'a rien dit. Donc, on peut essayer. Oui, on peut essayer. Euh, vous voyez, par exemple, vous avez un petit missile et vous l'envoyez, pouf, pour faire péter un satellite. Alors, euh, les Américains l'ont fait en 85 depuis un avion. Ils l'ont refait en 2008 depuis un, euh, un bateau. Euh, alors, ils l'ont refait juste après la Chine. Mais attention, c'était pas du tout une réponse pour montrer que aussi, savaient toujours le faire. Non. C'était par bonté d'âme. Oui, oui, parce qu'en en fait, ils avaient, ils avaient un satellite, un pauvre satellite espion qui était, euh, qui était là et qui était en perdition parce qu'il y avait eu un problème. Et il était rempli d'hydrazine. C'est le carburant des fusées. Et bon, c'était pas bien quand même euh, si ça retombait sur Terre, la pollution, tout ça. Vous savez que les Américains, ils se préoccupent beaucoup de la pollution. Euh, et, et donc il fallait absolument faire quelque chose. Et donc, on a juste fait péter le satellite. Voilà. Euh, L'Inde s'y est mise en 2019. Vous avez une petite photo là. Et les Russes viennent enfin euh, de tester leur, euh, leur essai de destruction par, satellite, euh, pardon, par missile il euh, n'y a, a, a pas longtemps là du tout. Mais je vous rassure, hein, que ce soit côté américain ou côté russe, on a déjà ces systèmes qu'on appelle ASAT, hein, anti-satellite. On en parle déjà dans les, depuis les années 40. Fin des années 40, on n'avait pas encore de satellites, c'est pas grave, on pensait déjà à ça, à les détruire. Euh, et les, les Russes, pendant très longtemps, ont plutôt prévu des systèmes euh, qui étaient en orbite, donc vous détruisez avec votre missile qui était en, en orbite. Euh, et donc ils ont fait pas mal d'essais là-dessus, mais ici ils viennent de tester avec un, un, un missile qui vient depuis le sol. Enfin, le sol, l'eau, ou, enfin, ou l'avion, on s'en fout, mais bon, qui vient de, de la Terre, quoi. Donc c'est un truc qui fonctionne bien. Il euh, y a quand même un petit ennui, c'est que quand vous cassez un truc, il eh ben, y a des morceaux. Et que les morceaux dans l'espace, c'est pas comme quand vous faites péter un truc et puis les morceaux ils retombent tout de suite, ici. Dans l'espace, ils restent un certain temps. Alors les Indiens et les Américains ont fait péter un truc qui n'était pas trop loin. Pas trop haut en altitude, et donc au bout de quelques mois, les morceaux sont retombés. Les Chinois l'ont fait à 800 km. 800 km, il faudra au moins un siècle pour que tout retombe. Donc nous avons un magnifique anneau de débris. Yeah euh, et les Russes l'ont fait entre les deux, dans une zone euh, pas très sympa où il y a beaucoup de, de satellites en, en ce moment. Donc. Euh, la destruction laisse des débris qui peuvent potentiellement affecter tout le monde, c'est-à-dire vous comme les autres. Donc, ce n'est pas terrible, terrible non plus. Reste la question des armes dans l'espace. Est-ce qu'on a déjà eu des armes dans l'espace Alors, il se fait que, côté soviétique, Alexei Leonov, lors d'un de ses retours de mission, s'est retrouvé en plein milieu de la steppe. Euh, il a dû rester là pendant un peu trop longtemps et que disons que quand vous entendez des petits bruits dans la steppe un peu sympa genre vous avez un peu les chocottes hein, soyons clairs et euh, le gars s'est dit il faut absolument mettre un flingue assez gros pour pouvoir tirer sur les loups qui potentiellement vont bouffer les astronautes s'ils restent assez longtemps et donc, depuis, en fait, euh, sur le Soyouz, les astronautes et cosmonautes et, et tous les nôtres possibles ont la possibilité d'emporter avec eux euh, un, un pistolet spécial, en fait. Alors, euh, est-ce qu'il est encore utilisé aujourd'hui C'est un secret bien gardé, hein, mais euh, disons qu'on leur offre la possibilité. Ils ne sont pas obligés, mais potentiellement, ils, ils ont cette possibilité de le prendre avec eux. Et puis, les Soviétiques avaient lancé aussi une, une petite station militaire euh, qui emportait un canon. Et le canon a été testé dans l'espace, euh, une fois que les astronautes étaient redescendus, enfin cosmonautes étaient redescendus, euh, parce qu'on avait un peu peur des vibrations que ça pouvait induire dans la station, donc bon, ils ont quand même été prudents. Euh, mais il y a eu des, des, des petits projectiles qui ont été envoyés. Bon, je vous rassure, rien grand-chose, mais bon, c'était juste pour prouver que ça marchait. Et ça marche. Oui Ok. Ben, je vous laisse avec ceci. Hein. Oui, euh, vous, je vous avais prévenu dès le départ, vous n'auriez pas tout, mais j'espère que vous en avez eu assez et que ça vous a plu. Non, non, on en a jamais jamais mais mais il faut s'arrêter à à un moment, parce que que je vais vous vous un un peu peu le, le temps de poser des questions à Yael si vous en avez envie euh, ben on a on on eu, on a 300, 330 personnes qui suivent sur suivent sur sur notre chaîne YouTube cette cette conférence, qui prouve que tu passionnes, fou passionné euh, les spectateurs. Alors je sais pas, que vous ce tout vous de suite tout questions à poser questions à tout de suite un micro. Ouais, si la question est de voir le reste, c'est pas possible hein, parce que sinon <laughs> on en a jusque demain. Eh oui, c'était <laughs> vraiment très très bien, très intéressant. Euh, Bonsoir. Euh, donc, hier, de la là. Ouais. Je dire, euh, <laughs> est les enfants, Tout à fait. Alors, euh, Speculo, c'est un projet euh, dont, dont, dont je ne fais pas partie, c'est un projet euh, dont un collègue s'occupe. Euh, bah, les télescopes sont là, hein, et ils fonctionnent et euh, bah, ils analysent toujours. L'idée, pour le moment, c'est de, de trouver... Euh, Évidemment, c'est en cours, donc ça va prendre un certain temps. Ils n'ont pas encore de, de nouvelles planètes euh, spécifiques, mais l'idée est d'observer beaucoup de, de petites étoiles rouges pour essayer d'avoir euh, des planètes euh, de type terrestre, donc des petites planètes relativement proches euh, de leur étoile, pour pouvoir être dans des, des, des zones tempérées, pour pouvoir les, les observer après avec le télescope James Webb, qui va bientôt partir, si tout va bien. Euh, et donc pour le moment, bah voilà, ça fonctionne, euh, ils observent, mais ils n'ont pas encore euh, trouvé de nouveaux de nouveau systèmes. Voilà. <laughs> donc euh, comme on dit en anglais, stay tuned, hein, ça, ça va arriver, mais il, il faut bien se rendre compte que c'est le genre de projet où il faut vraiment euh, poser longtemps et, et accumuler les données avant d'avoir euh, des, des résultats. Donc ça, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Merci, oui. Alors on va donner le micro à André. Restez dans le thème un peu comique. Comment euh, appréciez-vous les blagues de vos collègues euh, astronomes ou astronautes Enfin, euh, ont-ils rencontré des choses bizarres en faisant leurs études spatiales ou leurs euh, observations alors, on a toujours des, 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 des choses bizarres. Hein. Je pense par exemple à, à quelqu'un comme Frank Drake, euh, donc qui lui est radioastronome et qui, euh, en fait, au cours de, de sa carrière, euh, il, quand il a commencé, il, il, il s'est passionné pour l'astronomie très jeune. Il s'est bidouillé des petites antennes radio il, il avait repéré un signal bizarre. Bon, il s'est avéré que c'était un signal terrestre tout à fait normal, mais du coup, ça lui a donné l'idée euh, de se dire, bah, tiens, finalement, est-ce qu'on pourrait... Euh, capter des sidios extraterrestres et donc euh, c'est comme ça qu'il a monté les, les programmes SETI donc euh, parfois ça peut être amusant de, de se tromper quoi parce qu'on peut ça peut donner des idées euh, l'histoire des, des, des éruptions stellaires bah, c'est vrai que ça paraît bizarre cette histoire d'éruption stellaires au potassium mais on suit les éruptions stellaires dans plein d'autres étoiles donc vous voyez parfois on voit des trucs bizarres <laughs> et puis euh, bah, c'est inspirant et puis c'est toujours très amusant euh, même quand on se trompe c'est utile, pourquoi parce qu'il va falloir que vous mettiez tout en place, toute une démarche pour, pour, pour voir si c'est réel ou pas réel. Et, euh, et c'est là que ça devient intéressant c'est d'essayer de confronter les idées, de confronter les observations et d'essayer de comprendre les choses. Et c'est tout un processus euh, qui est vraiment au cœur de la science et qui est vraiment toute une aventure. Et je crois que chaque découverte, finalement, scientifique, c'est un peu ça, c'est une aventure. Oui. Il n'y a Et... pas des moments où on, pff, on se décourage, où c'est vraiment... Bah... Ah bah, dur quoi. Il y a, y a des fois où on se dit, euh, je vais faire cette observation-là, je vais avoir la réponse, et puis on l'a fait, on ne l'a pas, oui. et, euh, et, et on est très triste. <laughs> non, ça c'est clair, ça. Euh, on a déjà eu un certain nombre de cas où euh, bah, on n'a pas observé ce qu'on voulait. Et, et, et après coup, parfois, on se dit, mais finalement, cette, cette non-détection, elle est tout aussi importante que la détection. Et, et parfois, elle nous apprend plus de choses que la détection. Donc on est parfois déçu c'est vrai. Mais quelquefois, c'est pas plus mal. Et les observatoires, ils sont pas si, si nombreux dans, dans le monde. Alors, je suppose que tout le monde a envie un, un jour d'y de, de, passer un moment. Comment, comment est-ce que, est qu comment, comment est que vous êtes choisi, en fait alors là, c'est le thème de tout à fait autre chose, une, un autre un autre truc. Mais bon, globalement, la façon dont ça se passe, euh, c'est que on, on rentre des, des projets. Donc, on doit écrire. On rentre un formulaire. Euh, voilà, je veux observer ceci pour telle et telle raison, avec de telle et telle façon. Et puis, tous les projets sont collectés. Euh, vous avez des, 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 des Enfin, des groupes d'astronomes qui vont euh, juger les différents projets, euh, les classer, et puis ben, on sélectionne les meilleurs, ou en tout cas ceux qui paraissent les meilleurs. Alors il faut savoir que pour euh, beaucoup de télescopes, vous avez des facteurs de pression assez importants, c'est-à-dire que par exemple pour le télescope spatial Hubble ou pour XMM Newton, par exemple, vous avez 6 à 7 fois plus de demandes que de temps disponible. Donc il ne s'agit pas d'éliminer deux trois projets euh, un peu foireux, euh, c'est ça devient très difficile. C'est un peu déchirant quand vous faites partie de ces comités de sélection parce que vous savez que vous allez devoir jeter énormément de programmes qui sont qui sont super intéressants, mais il n'y a pas assez de temps pour tout le monde. Donc c'est parfois compliqué parce que vous devez attendre aussi très longtemps vos observations parfois. Et avec le Covid ça n'a rien arrangé. Il y a eu des télescopes qui ont été fermés, hein, des observatoires qui ont été fermés ou qui ont réduit euh, leurs euh, leur, euh, comment leurs activités au où on ne prenait pas grand-chose, donc c'est compliqué. C'est compliqué, c'est sûr. Une autre question dans la salle. Alors sur Internet, euh, euh, Madame Bonsoir, que pensez-vous des déclarations de Bill Nelson, l'administrateur de la NASA aux USA, qui récemment n'a pas exclu l'hypothèse extraterrestre des ovnis C'est ce que vous voulez que je vous dise On peut, on peut jamais exclure, forcément. Euh, tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'on n'a pas de, de preuves solides. Euh, ça ne nous empêche pas de chercher et de chercher de manière, enfin je veux dire on parle toujours des ovnis mais il y a des moyens de chercher pour des civilisations extraterrestres qui sont beaucoup plus euh, raffinées euh, et, et des trucs assez amusants euh, par exemple se dire bon si vous avez des, des civilisations très avancées elles vont par exemple essayer d'utiliser toute la luminosité de leur étoile et donc construire par exemple ce qu'on appelle des sphères de Dyson autour de leur étoile pour pouvoir récupérer toute la, toute la lumière et donc globalement votre étoile disparaît. Si elle est enfermée dans cette espèce de cocon, elle disparaît. Et puis, le cocon, lui, va émettre en infrarouge. Et donc, il y, y a des gens qui ont vraiment cherché des étoiles qui disparaissent, des cocons comme ça qui émettraient en infrarouge. Donc, il y a des recherches euh, sur des, des points euh, assez amusants pour essayer de rechercher des, des civilisations très avancées qui se font, mais dont on parle beaucoup moins. Alors, il y a une autre question. Alors là, c'est euh, assez amusant. Pas besoin, alors, d'observer la voie lactée, mais seulement réussir à faire parler le bousier. Ah, bah oui, ça serait bien quand même, parce que moi je l'aime bien, c'est un champion quand même. <laughs> alors, il y a, des, y a des, vraiment beaucoup de personnes qui sont extrêmement euh, euh, ravies de cette, de cette conférence, qui, qui vous trouvent top, elle est top. <laughs> euh, quand est-ce qu'elle revient euh, C'est bien, aussi bien le fond que la forme. Euh, euh, voilà. Euh, est-ce que le programme, alors ça, ça me semble un peu plus sérieux, mais je ne sais pas de quoi il s'agit, est-ce que le programme Trappiste. A fait de nouvelles découvertes intéressantes. Alors, de nouveau, c'est un peu comme le, le programme Spéculos, hein, dont on paraît, ce sont des collègues qui s'en occupent. Euh, donc, je ne suis pas dans le secret des dieux là non plus. Euh, mais disons que voilà, on a, il y a des, de nouveau hein, des, des, des suivis à long terme. Euh, et il n'y a pas eu d'annonce de nouveau fracassante ces derniers temps. Donc, on n'a pas de nouvelles, euh, nouveau système de planète un peu particulier. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas et qu'il ne cumulent pas les données. Euh, et il ne travaille pas d'ailleurs que sur les exoplanètes, hein, il travaille également euh, sur les comètes, sur les astéroïdes, euh, sur, enfin sur d'autres choses. Et donc voilà, il n'y a, a pas d'annonce fracassante, mais il y a plein de choses. Moi, je vous conseille, le si travail vous, continue. Le quoi, travail continue. Si, si vous voulez voir, bah, vous pouvez toujours aller dans les, les bases de données qui sont ouvertes hein, en, en astronomie. Euh, vous tapez Trappist, vous tapez spéculose vous aurez accès euh, aux, dernières, euh, comment, aux dernières publications. Donc euh, bah, bon, ça risque évidemment d'être un petit peu pointu. Donc, voilà, il n'y a, a pas eu d'annonce très forte, fracassante, comme je dis, mais bon, c'est pas pour ça qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a pas de découvertes qui sont faites. Question dans la salle Toujours pas, alors il y en a une que je ne vais pas laisser passer. Pierre From Belgium. Ah bah tiens. <laughs> Combien de temps les débris russes peuvent-ils menacer l'ensemble de nos satellites Est-ce un risque réel ou une pure spéculation non, c'est un risque tout à fait réel. Euh, alors, le, les débris, donc je vous ai dit, les, les, chino, les, les débris chinois qui étaient au départ à 800 km de haut, euh, c'est au moins un siècle. Euh, les débris qui étaient à 300 km euh, de haut, donc indiens et américains, eux, étaient, euh, c'est plutôt quelques mois. Bah les, les, les Russes, c'est entre les deux. Donc, on est parti pour quelques décennies. Si on ne fait rien, parce que bien sûr, on peut toujours essayer d'aller envoyer le camion poubelle et le récolter. Mais si on ne fait rien, voilà, les débris sont là. Et disons qu'un problème qu'on peut voir avec les débris russes, c'est que comme l'explosion a été faite à, si je ne me trompe pas, 515 km d'altitude ces débris vont descendre petit à petit. C'est la définition. Si vous éliminez les débris, c'est parce qu'ils tombent dans l'atmosphère. C'est le nettoyage naturel, on va dire. Et le problème, c'est qu'en descendant, évidemment, ils vont rencontrer les orbites de plein de choses et entre 515 et euh, bah, une 300 200 kilomètres et vous avez la station spatiale internationale vous avez énormément de choses donc c'est pas les alertes pour la station spatiale internationale ne sont pas finies il n'y a pas que ces débris là d'ailleurs qui vont poser problème euh, mais c'est clair que c'est un, un vrai problème c'est pas juste Bon, je sais bien que les Américains sont un peu faux de, de dire euh, « Ouh là là, c'est pas bien, les gars hein", », euh, parce qu'eux, font, font le même genre de choses, et qu'ils ont, eux, aussi des débris, mais, mais il est clair que l'explosion russe, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, quoi. Bon, il est de Namur, hein, monsieur. Ah, il est de Namur, Pierre. Bah, voilà. Il suit nos, nos, nos conférences euh, <laughs> très régulièrement, d'ailleurs. Hein, on le retrouve très souvent. Euh, question dans la salle. On vous donne le micro tout de suite. Voilà, il arrive. Merci beaucoup. Bonsoir. Parlez, parlez bien dans le micro, comme ça, s'il vous plaît. Parfait. Vous venez de parler des distatio. Est-ce qu'il y a une méthode aujourd'hui pour les faire de son efficacité Il y en a plusieurs, en fait. Il y a plusieurs méthodes. Alors, vous pouvez imaginer plusieurs choses. On a testé des harpons. Donc là, vous vous envoyez un harpon et vous récupérez le truc. Et puis après, généralement, vous le descendez d'altitude pour le faire brûler de nouveau dans l'atmosphère. Vous pouvez, alors là, c'est moins testé, mais envisager des ballons ou des choses comme ça, des surfaces plus grandes parce que plus la surface est grande, plus ça va évidemment descendre vite. Alors, on peut également faire tous les projets de rendez-vous. Qui sont plus ou moins faits entre les civils, les militaires, enfin, voilà, euh, qui permettent là aussi d'agripper, de redescendre. Et puis vous avez euh, d'autres projets, genre euh, utiliser des lasers euh, pour modifier un petit peu les orbites et, euh, et descendre. Donc il y a tout un ensemble en fait de projets euh, qui euh, qui existent, certains testés. Donc le harpon c'était un projet euh, un projet anglais euh, qui a été testé il y a quelques années. Il y a des projets les, les japonais et les, et les suisses. Euh, sont, sont très avancés euh, là-dessus, il y a, y a, y a des, des missions en cours ou en projet. donc euh, le, le problème des débris, je crois que tout le monde est en train de se rendre compte que euh, c'est un gros problème maintenant et ça va encore être pire avec les méga constellations qu'on nous annonce. Euh, il faut savoir que en orbite pour le moment vous avez à peu près une vingtaine de milliers d'objets, d'objets qui font au moins 10 cm, hein, donc on parle d'objets assez gros. Là-dedans, vous avez euh, un peu moins de 4000 euh, satellites actifs, et euh, rien que la constellation Starlink, euh, Musk a la, euh, l'autorisation d'en mettre 42 000. Sur des orbites polaires, ce qui est le pire. <laughs> euh, et donc, bon, voilà, les risques de collision, ils sont, ils sont loin d'être nuls. Et vous, a, vous avez déjà au jour où rien qu'avec les Starlink qui existent déjà, vous avez à peu près la moitié euh, des, des approches euh, entre satellites qui sont dues à ces, à ces Starlink. Donc, quand il y a des approches très, à, à moins de x km, bah, euh, on, on envoie une alerte et on demande à un des deux satellites de changer de place, quoi si c'est possible. Euh, et donc là, pour le moment, c'est déjà un problème, mais ça va être pire dans le futur. Donc il est clair que la question des débris est une très très grosse question pour le moment, et c'est une question légale aussi. Donc il y a le, la question de faire un traité, mais il y a aussi la question des dégâts. Si vous avez des dégâts à un satellite commercial, qui paie euh, et, et comment est-ce qu'on fait euh, aussi Parce que si vous allez chercher le débris de quelqu'un d'autre, par exemple, les Russes ont déjà dit, nous, nous n'avons aucun débris. Ah oui, ils considèrent que tout leur appartient et il n'est pas question qu'un que, que camion poubelle suisse vienne récupérer des vieilles parties de fusées russes, même si c'est pour le bien de l'humanité. Je veux dire, voilà. Donc, vous avez vraiment des questions légales, des questions euh, militaires, des questions, enfin, sur plein de plans qui font que cette question des débris est vraiment à l'avant-plan aujourd'hui. On espérait vraiment faire bouger les choses avec euh, bah, cette alerte hein, pour, les, pour les astronautes de la station spatiale, y a, y a, récemment, euh, parce que là, une fois, une fois qu'on parle des astronautes, en général, les gens réagissent. Mais on n'a pas encore vu véritablement de choses qui vont au-delà de dire il faudrait faire quelque chose. On n'a pas encore de traité sur la table, de trucs où on tape du poing et on dit bon les gars, on fait, vous signez ça, tout le monde signe ça et, et on arrête de faire les conneries. Donc voilà, c'est un très gros problème, pas encore complètement résolu. Quelqu'un a le micro là Non Oui, oui allez-y, je vous en prie. Euh, bonsoir. Euh, Est-ce que vous avez vous-même eu affaire à des phénomènes euh, étranges ou que vous auriez pas pu euh, expliquer euh, pendant vos recherches, vos études Oh, Des trucs que je ne peux pas expliquer, j'en ai plein. <laughs> c'est le but. <laughs> je veux dire, c'est le but de faire de la recherche, c'est d'avoir plein de trucs que vous ne savez pas expliquer. Euh... Je vais prendre deux exemples. Euh, en fait, on, on, a, on observe beaucoup en rayon X euh, dans, dans mon groupe. Et euh, en, en fait, euh, on a eu dans les, 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 les toutes premières années euh, de, du télescope spatial XMM, un télescope européen extrêmement... qui fonctionne depuis plus de 20 ans, qui fonctionne super bien. Hein, C'est un magnifique instrument. Euh, et on avait, on avait sélectionné, évidemment, des... Enfin, pas moi, mais... <laughs> mon ancien chef et son équipe, avaient sélectionné des étoiles où on était sûr qu'on allait voir plein de choses intéressantes. Et puis, il y en avait une qu'on m'avait plus ou moins assignée. Et quand on a eu les données, il n'y avait rien. Alors on s'était dit, euh, bon, bah c'est qu'ils se sont trompés, hein, ils n'ont pas pointé le bon endroit du ciel, sauf il y avait, y a, sur XMM, vous avez un télescope X, mais vous avez aussi un télescope UV, qu'on leur avait dit de fermer parce que l'étoile était, était très brillante en, en UV, mais ils l'avaient laissé ouvert, et on a pu dire grâce à ça qu'ils avaient bien pointé dans la bonne direction. Hein. L'étoile était là, et on l'a jamais vue en X. Et ça a été, on, est, on était resté vraiment le bec dans l'eau, en disant qu'est-ce qui se passe Et là, pour le moment, je suis en train de travailler sur un groupe d'objets qu'on qu appelle Gamma Cash. Je ne sais pas si vous connaissez Cassiopée, hein, ce fameux W, la constellation en forme de W, le milieu, euh, le, le coin du W au milieu, c'est une étoile qui s'appelle Gamma Cash et qui a une émission en rayon X extrêmement particulière. Et on ne sait pas du tout pourquoi. On en connaît 25, on en a trouvé une bonne partie. Euh, donc elle n'est pas toute seule. Mais pourquoi celle-là et pas les autres voilà, je n'ai pas de réponse encore. Je cherche activement, je peux vous l'assurer. Mais voilà, des choses, des choses, étranges, des choses auxquelles je ne sais pas répondre, j'en ai tout le temps. Et tant mieux parce que sinon je serais au chômage. Alors un peu dans le même ordre d'idées quel est personnellement le plus bel échec ou la plus belle erreur que vous ayez vécu Ah là là, mais je crois que celle dont je viens de parler là avec l'étoile, où on était sûr qu'on allait voir plein de trucs et puis qu'en fait on n'avait rien. Là, on s'est dit Ah ben bah, merde, grosse déception. Grosse déception. Donc voilà, ça c'était. Et, et c'est peut-être notre, notre notre observation la plus importante. Mais qu'est-ce qu'on était. Enfin, même encore aujourd'hui, ça fait mal d'y repenser, quoi. Ah, bon, allez, on n'y pense plus. <laughs> Une autre question. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur les constellations de satellites. J'ai entendu que ça allait pouvoir éventuellement modifier l'aspect du ciel. Notamment la nuit. Est-ce qu'il voilà, y a des réflexions là-dessus et puis là, une volonté de réguler pour éviter que nous ayons des nuits qui soient zébrées euh, à travers les, le passage des, de ces satellites. Merci. Alors euh, les astronomes sont, sont très embêtés parce qu'effectivement c'est un très très gros problème. Euh, il y a un risque de, de, de perte du ciel, effectivement, d'avoir le ciel zébré hein, comme vous dites. Euh, alors au niveau normalement optique, donc euh, ce que tout le monde peut voir avec ses propres yeux, a priori, ils ont compris le problème et les, les, les dernières générations sont des satellites un peu assombris et qui empêchent euh, de le voir avec vos yeux. Donc normalement, vos yeux, ça devrait encore aller, vous ne devriez pas avoir trop de zébrures dans le ciel. Maintenant, le problème, c'est que les astronomes ne vont pas regarder avec leurs yeux ils vont faire des photos. Et là, les, les caméras sont beaucoup plus sensibles. Et on prévoit que euh, bah, des, des projets comme le, le télescope Vera Rubin, euh, qui scanne l'ensemble du ciel, euh, va perdre pr très probablement un quart de ses observations à cause de ces ébrures intempestives qui vont passer en plein milieu. Euh, parce que, évidemment, euh, peut-être qu'on ne les voit pas à l'œil nu, certes, mais quand on va observer des objets très faibles, ben, c'est foutu. Et donc, euh, ça pose énormément de problèmes. Il y a eu énormément de protestations au niveau des, des astronomes. L'Union Astronomique Internationale a euh, non seulement fait des réunions avec euh, Musk et consorts, mais vraiment exprimé euh, officiellement euh, les, des inquiétudes. Alors, d'autres observatoires sont moins affectés que ceux qui scannent le ciel, mais néanmoins, ça pose énormément de problèmes. Donc, oui, les astronomes sont très inquiets, <laughs> soyons clairs. Oui, on a fait des calculs, oui, il y, y a des problèmes. Mais bon, euh, entre la, une puissance commerciale, je vais dire, et, et, et la recherche scientifique, disons que ce n'est pas vraiment le même rapport de force. Et que pour le moment, si les organismes de recherche aimeraient bien une régulation, c'est. Même certains États hein, sont, sont d'accord de soutenir ça. Malheureusement, pour le moment, il n'y a encore rien de prévu. Pareil que pour les débris, hein, on, a, on a beaucoup de freins. On espère qu'effectivement, on va avoir des traités pour régler un peu tous ces problèmes-là. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. faut bien l'avouer. On prend une dernière question, peut-être André a déjà posé une question. Il en poserait toute la soirée, hein, André. On le connaît. Hein je, je crois qu'il y a quelqu'un qui demande le micro là-haut. On oui. va lui donner en priorité. Voilà, merci. Pardon, André. On peut en discuter après. Hein, vous inquiétez pas. Bonsoir. Oui. Ouais, euh, je savoir sur quel projet vous travaillez actuellement. Ah ben là, c'est ce que je vous disais. Justement, ces, fa ces, ces fameuses étoiles comme le, celle du milieu là, de, de Cassiopée, c'est vraiment les trucs sur lesquels je suis. Euh, là, j'ai un article qui vient d'être accepté, j'en ai un autre qui est soumis et je commence le suivant. <laughs> Donc, c'est vraiment le, le projet sur lequel je suis pour le moment. Euh, ben, sinon, de manière générale, moi, je travaille sur les étoiles très massives. Alors ici c'est pas des étoiles hypermassives, elles sont à 12-15 fois la masse du Soleil. C'est vrai que généralement je suis un peu plus haut en masse. Mais, euh, mais voilà, disons que j'essaie de comprendre un peu comment fonctionnent ces étoiles, que ça soit en observant leur changement de luminosité dans le visible... Euh, ou leur changement de luminosité dans le rayon X et, et essayer de, de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il est qu y a deux étoiles qui interagissent Est-ce que euh, c'est une seule étoile qui, a, qui perd de la matière de manière un peu particulière Donc voilà, il y a tout un ensemble de, de questions liées aux étoiles massives. Donc moi, je fais de l'observation d'étoiles. <laughs> bon, alors je crois qu'on va en rester là pour ce soir parce que je voudrais quand même qu'on dise encore un mot. Là, vous avez à... découvert... Des choses tout à fait étranges grâce à cette <laughs> conférence. Il y en a encore plus dans, dans le livre. Vraiment, c'est un, un plaisir de, de, de lecture, en plus avec de très très belles images, comme d'habitude, hein, de très beaux, de, de, de très belles illustrations. Et, euh, et puis, ben, il y a plein d'autres choses à découvrir. Euh, par exemple, des personnages assez incroyables dans ces dans ces milieux de. Ah, il y en a, il de... y en a quelques-uns. Bon, on est, on n'est pas tombé dessus. Tout à l'heure, parce qu'on n'a pas, non, pas non, choisi, oui. mais bon, Là, on euh, voilà, pour le, pour la voilà. Suite. mais elle <laughs> ouais, va aller signer son livre pour ceux qui seraient intéressés. Vous pourrez aussi découvrir un Science Ouest dans lequel il y a une interview de, de Naël Science Ouest. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le magazine, le mensuel de, de l'espace des, des sciences, des sciences, des sens. C'est la fin de la soirée, mais Ça bon, va aller. Ça va. <laughs> et puis découvrez peut-être aussi le, le nouveau numéro qui vient de, de sortir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie aussi tous les internautes qui nous ont suivis. Je crois qu'on était, oui, c'est ça, à plus de à plus de 330 personnes qui ont qui ont participé eux aussi de loin à cette à cette conférence et ça nous fait vraiment un très très grand plaisir. Merci, Merci à vous tous. Merci, Merci à, à tous d'avoir bravé la pandémie. Et merci à Yaël, qui est toujours aussi formidable, qu'on a toujours tellement de plaisir à retrouver. Et en plus, c'est une belge.